Juliette Perrault. J'ai le plaisir de présenter notre maison La Marquise à Saint-Gratien-Savigny. Vous êtes ici dans le salon où on sert les petits déjeuners quand il fait mauvais. Sinon, vous avez l'accès à la terrasse un petit peu plus loin, au jardin. Les chambres d'hôtes sont à l'étage. 4 chambres d'hôtes en suite familiale, c'est-à-dire qu'ils sont séparés par une salle de bain. Il y a également un coin cuisine où vous pouvez vous faire un petit repas. Il m'arrive de faire table d'hôtes sur réservation. Donc nous avons les œufs, les poulets, les poules, les légumes, fruits et légumes. Nous avons également transformé une écurie du 18e siècle en salle de réception, pouvant recevoir jusqu'à 200 personnes. Un enclos est à disposition, un enclos jardinier est à disposition des hôtes. Il abrite un chêne plus que centenaire où il est très agréable de s'y reposer et discuter. Nous avons également un élevage de choux à côté pour les amateurs plutôt de course, puisque les choux sont destinés aux courses, ce sont des AQPS. Le canal de Nivernais n'est pas très loin, un petit kilomètre à pied, par lequel vous pouvez rejoindre Cercy-la-Tour qui est à 3 km. D'autre part, nous avons la proximité de Panseau, le barrage de Panseau ou une petite auberge. Et pour aller à Panseau, vous pouvez même aller à bicyclette, c'est le long du canal. C'est vraiment une promenade très très agréable.